mardi 10, une nouvelle semaine commence et Corona me fait chier. Corona, j'en peux plus en fait. Là, j'arrive à l'école avec la petite, tranquille, on part, tout ça, on a fait devant la classe. Ouais, je sais pas quoi, il y a une élève qui est malade, je sais pas quoi, donc soit vous allez faire tester vos enfants, soit vous les gardez une semaine à la maison. Et vas-y, on a été faire le test, et c'était le test de salivaire, mais elle s'est pas crachée. Elle s'est pas crachée, donc frère, j'ai eu la flemme, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais garder une semaine, et puis c'est tout en fait, genre on est fatigué. Et là, tiens, je suis passée, enfin, je vais poster un truc, mais la poste était fermée, du coup j'ai pas pu acheter les timbres sur les automates là. Donc juste à côté j'étais dans un tabac pour prendre des timbres. Et la dame me dit ouais mais non nous on n'accepte pas la carte, on accepte la carte qu'à partir de 10 €. Donc si vous voulez prenez un jeu à gratter. Du coup je me suis pris un jeu à gratter. Je vous jure que si, si je gagne, là c'est quoi, je peux gagner entre 5 et 500 000 euros. T'imagines? Moi aussi je vais gagner maintenant. Ouais toi aussi tu vas gagner, t'inquiète bébé. C'est les jeux quoi, c'est quoi comme jeu? J'ai jamais acheté ça. Illico. Genre là, c'est du hasard. Genre, c'est limite, j'étais forcée. Donc si je gagne, si un ou plusieurs de vos numéros correspondent à un ou plusieurs numéros gagnants, vous gagnez la somme. Ok, d'accord. Donc numéros gagnants, ils sont là. 37, 1, 8, 13, 39. Ok, allez, c'est parti. 14, 12. 9. Putain, j'ai mal au bras. Eh, s'il te plaît, ouais, je te vois gagner, frère. 26. Tu l'as fait. 10 022. Putain, j'ai la haine. Même pas 1 €, frère. Bon, du coup, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas. On va essayer de s'occuper avec bébé. Peut-être qu'on va sortir, mais j'ai tellement froid que. Hein, franchement, c'est pas, je suis pas trop dans le mood là. Donc bref, on verra. Voilà, je vais faire une grande lessive de draps. Tout mon linge là, mes draps, tout ça, je vais les laver. Donc moi, ce que je fais quand je les lave, c'est que en premier, je mets un pod. J'aime trop l'odeur. Ensuite, je mets les petites billes. Je mets les petites billes de parfum. Ça, c'est l'odeur violette songe. Je trouve que c'est un des meilleurs avec les bleus. Donc je remplis bien comme ça. Je remplis la poubelle. Je mets, ensuite, bah je mets mes draps. Tac. Ensuite, je mets ma lessive là dans les compartiments. Pour qu'il reste bien blanc, je mets un peu de vaniche. Ah, c'est toute une mixture, hein. Donc j'aime bien mélanger de l'adoucissant avec du désinfectant du linge. Donc ça c'est le truc Sanitol, anti-odeur, purifie le linge. Et l'adoucissant, bah c'est l'adoucissant. Donc voilà. Donc voilà, et là je vais faire lavage puis séchage hygiène. 1, 2, 3. Je vais faire tourner ça... ouais, 3h38. Comme bah, 3h38 parce qu'elle fait séchage aussi. Hein. Parce que je vais pas mettre 4h. Comme ça au moins c'est sec et puis je suis tranquille. Je vais faire ça, ouais, 4h38. Comme ça, ça lave bien et ça sèche bien. Et après, dès que je sors, je peux mettre les draps directement. Parce que sinon, je dois les laisser sécher à l'air libre et c'est trop chiant. Hello! On est mardi. On est mardi 11 janvier. Bon, bébé, elle est là. Franchement, en fait, elle va pas l'impression d'aller à l'école. Voilà, on va rester à la maison pendant une semaine, chill, tranquille. Non, et puis, on va aller chez ma mère. Oui, peut-être que ce soir elle va aller chez ma mère, je sais pas encore. Je sais pas encore, mais ouais, non, chill. Je te dis, en vrai, faut se presser en fait. Pourquoi se réveiller à 7h tous les matins? Pourquoi? Bon, du coup, là, c'est le matin, il est quoi? Il est 10h. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui avec la petite, faut que. On va sortir, hein, mais je sais pas où du tout. Il y a quelques mois, là, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je mangeais des produits laitiers, que ce soit du fromage, genre de la burrata, des yaourts ou du lait, même du lait tout court, tu vois, mon ventre, il digérait pas bien. J'avais des gargouilles, j'étais ballonné, enfin, tu vois, pas normal, en fait, j'étais jamais à l'aise. Et en fait, j'avais jamais capté que c'était sûrement le lait qui me donnait ça, tu vois. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter les produits laitiers comme ça. Bon, ça me fait trop mal au cœur pour la burrata, mais vas-y. Enfin, c'est chiant quoi.
Donc je vais arrêter pendant quelques temps et je vais essayer les laits végétaux là. Du coup j'avais une copine qui m'avait conseillé le lait de noisette. Du coup je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait être bon. Donc il y a plein de laits végétaux. En vrai je vais tous les tester pour voir. Ça a cette couleur. Comme s'il y avait un peu de chocolat dedans. Et le goût. C'est bon. Ah trop bien. C'est bon. J'aime bien, genre c'est un tout petit peu sucré. Eh, c'est très bon, franchement je kiffe. Je kiffe, donc trop bien. Au moins je vais pouvoir manger des céréales, des trucs, enfin genre. C'est un truc de fou quand même. Bref. Bon là je vais me préparer pour filmer un petit make-up pour Instagram. Je vais mettre ma petite wig blonde pour changer un peu. Si vous connaissez pas ce genre de stick, focus, c'est des sticks de cire et en gros pour les wigs, même pour quand vous faites vos coupes avec vos cheveux, pour les petits cheveux qui volent et tout, c'est tellement efficace. Genre vraiment, je ne veux pas d'hydro-sang, ça fait le taf direct genre. Faut pas en mettre beaucoup parce qu'après ça donne trop un effet gras, j'aime pas trop, mais faut bien poser là, c'est trop bien. Bon donc voilà, je crois que je suis un peu coiffée, c'est beau là. Bon c'est parti, je pense que je vais commencer, je sais pas quel make-up je vais faire, je vais regarder d'ailleurs. Je sais pas si je fais de la couleur, je pense que je vais peut-être faire un truc un peu gris. Ah bah voilà, je l'avais déjà ouvert, genre un délire comme ça, attends. Très glam, ouais. Mina is back in the makeup. Bon, j'ai fini de filmer tout ça. Comme demain j'ai des rendez-vous à Paris, j'ai déposé ma fille chez ma mère. Donc là elle va dormir là-bas et je la récupère demain. Parce que sinon si j'avais attendu demain pour l'accompagner, ça aurait été trop galère. Franchement, ça aurait été trop galère. Donc je me suis dit c'est mieux, je la dépose maintenant. Comme ça demain je suis tranquille, genre j'ai pas à me presser ou quoi, tu vois. Bref, donc là j'ai trop la dalle. Trop fort. Je vais me faire des raviolis au saumon fumé. Je savais pas que ça existait. Là, j'ai trop envie de manger ça. Je vais me faire une petite sauce avec du saumon. Vu que j'en ai, ça va être génial. Et après, je vais me poser et je vais regarder la télé. Et voilà. Je suis fatiguée aujourd'hui. Franchement, je suis fatiguée. La route, je vous jure, la route, ça me fatigue de fou en fait. J'avais sous-estimé. Mais conduire tout le temps là, pardon. C'est pas pour moi en fait. C'est pas pour moi en fait. That's why you trust me. I know you've been through more than most of us. Coucou. On est mercredi. Putain. Et j'ai mon déodorant, il laisse toujours des traces sur mes os, c'est un truc de fou. J'espère que ça va partir. Ouais, donc on est mercredi, là j'ai rendez-vous à Paris avec mon agence. J'ai rendez-vous à 13h, là il est 11h je crois, donc ça va, j'ai le temps, mais hein, on sait jamais avec la route là. Donc je vais le make-up, tout ça. Du coup aujourd'hui je pense que je vais mettre ma perruque frange. Comme ça j'ai pas à coller, voilà, j'ai juste lissé puis c'est tout.
Ah, il faut que je me maquille d'abord. J'aime trop ma nouvelle routine make-up là. Franchement, elle est vraiment trop bien. Genre, je sais pas si c'est. Je pense que c'est le combo de tous les produits que j'utilise. Ils vont trop bien ensemble. Et donc, même en vrai, ça me fait un visage lisse et tout. Genre, je suis trop contente de ma routine. Trop contente. J'ai envie de chialer. J'étais en voiture, j'étais en train d'aller à Paris tranquille et tout. La voiture, je vois dès le début, elle commence à me faire des phases car elle avait pas avancé vite et tout. Mais je me dis, bon, vas-y, peut-être que voilà, c'est rien. Impossible d'aller sur l'autoroute. J'ai dû rester sur l'autoroute jusqu'à trouver une sortie sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai roulé sur la bande d'arrêt d'urgence tellement elle était à 20 km/h. Heureusement, j'ai pu sortir normalement et me garer. Mais heureusement que j'ai même pu me garer parce que là c'était chaud. Donc là ma voiture m'a lâché. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est grave ou quoi. Je sais pas si c'est un problème de batterie. Je sais pas. La semaine dernière j'ai mis de l'huile. Peut-être que c'est ça le problème. Parce qu'en soi elle a rien, ouais. Enfin, je sais pas en fait. Je pense que c'est de l'huile. Peut-être que je me suis trompée d'huile. Peut-être qu'on aurait dû faire une vidange avant. Je sais pas. Bref. Ma voiture m'a lâché quoi. Voilà. Et toujours au mauvais moment. Toujours quand il faut pas. Là je vais faire comment là? Heureusement la petite elle va pas à l'école cette semaine. Mais j'aurais fait comment? Parce que on peut pas aller à pied, tu vois, c'est trop loin. Je sais pas. Vraiment c'est un truc de fou. Mais bon bref, vas-y, je vais appeler mon mécanicien là. Tiens, elle faisait des bruits bizarres sous le capot. Moi, j'ai peur d'aller regarder. Moi, j'ai peur des trucs comme ça. J'aime pas. Donc, je vais attendre qu'ils me répondent déjà. Oh, putain, mais quelle poisse! Comment j'ai la haine! Putain! Eh, vas-y, wesh. Là, je suis là. Je vais devoir prendre le bus. Je sais pas depuis quand j'ai pas pris le bus. 7 minutes, je dois l'attendre. Il fait archi froid. Là, je lutte pour pas prendre de Uber. Genre, j'essaie vraiment de me. J'essaie vraiment de me forcer à prendre les transports. J'ai trop la rage, mais vas-y. Vas-y, je vais prendre les transports. Parce que, vas-y, j'ai arrêté de faire la princesse, t'as vu. Mais s'il fait archi froid, je vais arrêter de faire la princesse. En plus, je crois que je vais prendre une mauvaise heure. Parce que là, il est déjà 18h, je sais pas combien. Presque 19h. C'est une très mauvaise heure pour les transports. Vas-y, c'est pas grave. Ok. Donc là, ma voiture, bah, elle est chez le mécanicien. Il est venu la remorquer, tout ça. Et puis il m'a dit que c'était le turbo qui avait un problème. Je sais même pas c'est quoi le turbo. Mais bref, il m'a dit que c'était ça qui avait un problème. Et que du coup, il va essayer de me la réparer dans les prochains jours. J'espère juste que je l'aurai avant la semaine prochaine. Avant lundi. Sinon, c'est chaud. Genre, sinon, c'est vraiment chaud. Vas-y, tranquille, je vais rester à la maison. Mais vas-y, ça me fait chier quoi. Vraiment, ça me fait chier. La voiture? Non. Tous les 3 mois, il y a un truc. Là, en plus, comme par hasard, en ce moment, je pensais acheter une voiture, enfin, changer de voiture, parce que franchement, c'est pas une vie, tu vois. C'était ma toute première voiture. Genre, vraiment, il est temps de la changer, là. Parce que. Ah non, c'est bon. Je sais même pas si vous m'entendez. Depuis tard, je parle, je sais même pas si vous m'entendez. Bref. Vas-y, let's go. Mina mission transport. Première fois depuis 3 ans au moins. Incroyable. Oh, j'en peux plus. Ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas pris le RERD, mon frère.
Ouh! Non, j'avoue, j'abuse. Vous savez, j'abuse. Mais en fait, c'est marcher qui est chiant. Genre, je marche plus. Avec la voiture, je ne marche plus. Vraiment. Donc, bah écoute, hein, moi j'ai profité de ces jours pour marcher un peu. En plus, je vis dans une ville où, quand même, j'ai de la chance d'être entourée de la nature et tout. On respire bien, enfin, il y a la forêt, tout ça. Donc, je peux un peu prendre l'air. Donc, peut-être que le fait de ne pas avoir la voiture pendant quelques jours, ça va m'être bénéfique. Parce qu'en fait, avec la voiture, je fais rien, je découvre rien. Je connais pas ma ville. Ma nouvelle vie, je la connais pas. Tu vois, c'est là, en marchant de la gare à chez moi, que je m'en suis rendu compte. En fait, je connais même pas le chemin de la gare à chez moi. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? Donc, vas-y, je vais en profiter pour sortir un peu, sans voiture, marcher, nanana. Et puis voilà quoi. Ah là, je suis KO, je me démaquille direct. Je crois que j'ai pris une douche tout à l'heure, après manger. Wouh! Purée. J'aurais vraiment pas pensé finir ma journée comme ça. Puis j'avais trop besoin de voir mon agent là, qu'on puisse parler de tout là, comme par hasard. C'est pas grave. Écoute. C'est pas grave, c'est la vie. Là, je suis en train de me démaquiller. Je sais pas si je vous ai déjà montré mon démaquillage en vlog, je pense pas. Mais j'utilise la solution micellaire de Garnier. Elle est pas mal, genre c'est pas un truc de fou, mais ça va, ça fait le taf. Ensuite, je vais nettoyer mon visage avec le savon gel nettoyant de chez Fenty Skin. Je me suis lavé les mains, hein, bien sûr. D'habitude, je me démaquille avec le baume démaquillant, mais j'en ai plus, faut que j'aille en acheter d'ailleurs. Ouh, c'est froid. Voilà, c'est tout. Je vais mettre ma crème, je vais attendre de sécher et après je mets ma crème et après ça y est. On s'arrête là pour aujourd'hui. Franchement, j'en peux. I don't think you're ready for this day. I don't think you're ready for this day. My body's a body, it's just body, baby. Kelly. Ok, bon. Aujourd'hui, je vais faire un TikTok et je vais vous montrer comment je vais le filmer. C'est un TikTok assez cool. Là. Eh putain, moi je suis là, je perds des billets dans ma chambre. Bah ouais. Comme je suis trop riche, bah ouais. Donc ça, on va sortir. Donc en gros, le TikTok, c'est le genre de TikTok un peu transformation, mais avec les habits. Genre j'arrive, je suis un peu en mode chat. Enfin, pas trop en mode chat, mais en mode détente. Et après je m'habille en mode bad bitch, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas trop vous expliquer c'est quoi le TikTok parce que vous irez le voir en fait. Donc, du coup je me suis dit que j'allais mettre ça pour ma tenue détente. Voilà, en mode outfit d'école, t'as capté, je sais pas si ça le fait. Ouais si, ça peut être bien. Dommage j'ai pas de lunettes de vue, je pensais en avoir mais non. Je pense que je vais juste prendre une paire et je vais la casser. Enfin je vais enlever les verres. Attends. Je prends une paire que j'aime pas trop. Je sais pas. Et je pense que je vais. Ouais. Celle-là. Et je vais essayer d'enlever les verres. Je sais pas si ça va. Wesh. Attends. Comment on fait? Ah, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça fait lunettes de vue? Je sais pas si ça fait lunettes de vue. Franchement, je sais pas. Elles sont trop grosses, wesh. Je vais essayer de faire le TikTok avec. Si c'est moche, je vais enlever. Alors, il me faut des livres. Il me faut des livres, j'ai pas de sac à dos. De toute façon, quand tu tiens tes livres à la main, c'est que t'as pas de sac en fait. Donc, bon, voilà. Et il me faut des chaussures. Attends, je vais mettre mes Air Force. Est-ce que ça se verra qu'elles sont un peu sales? Franchement, et là, il me faut ma nouvelle paire d'Air Force. C'est là, le début d'une nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle paire d'Air Force. Donc, faut que je vous la commande. Celle-là elle est pas morte mais vas-y, t'as capté. Bon. Ah, ça me fume. Attends. Elles sont hyper grosses mes lunettes, sérieux. Ah
Allora. Ok. Donc là je mets, je vous voyez, j'ai mon trépied avec mon téléphone. Ok. Mes lunettes elles sont trop grosses, ouais, je vais les enlever. Hein. Non mais c'est tranquille, c'est le mood, c'est le mood. Tranquille. Donc, mais pourquoi j'ai un effet? Moi je veux pas d'effet, hein, je crois. Bah non, moi je veux pas d'effet, wesh. Ça me met toujours un effet sur TikTok. Eh, t'sais, moi je comprends rien à TikTok, hein, la vérité. Ouais, mais moi normal, gros. Voilà. On va essayer de lâcher nos petites dents. Est-ce que. Eh, ça se voit trop que j'ai cassé mes verres, wesh. Faut arrêter. À moins que je vienne avec des lunettes de soleil en mode je suis la meuf qui parle avec personne et tout. Bon, du coup, j'ai fini la première partie. Là, faut que je me prépare, que je me maquille et que je m'habille pour faire la deuxième. Et je vais en profiter pour faire un tuto pour Insta. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, tu vois. Parce qu'en fait, le contenu que je fais sur TikTok, je veux qu'il soit un peu différent de ce que je fais sur Insta, sinon ça sert un peu à rien. Tu vois, j'ai pas envie de poster les vidéos que je mets sur Insta, sur TikTok. C'est ce que je faisais au début, mais au final, bah, ça sert à rien, tu vois. Donc là, j'essaie de... faire un contenu un peu plus léger, un peu plus rapide à faire, tu vois, les challenges, les trucs comme ça, les trends, pas forcément du make-up ou quoi, tu vois. Donc, d'ailleurs, allez me follow sur TikTok, comme ça il y aura du contenu différent de YouTube et de Instagram. Et voilà, bref, du coup là je vais m'habiller pour faire le réel make-up et ensuite je finis le TikTok. Voilà. Une tenue, t'as peur. Je vais finir le TikTok du coup. Je mets mes talons, enfin j'ai mis cette tenue déjà. Et ces talons de ouf, c'est des talons de stripteaseuse. Je les ai jamais mis, j'ai déjà, je suis même pas pourquoi je les ai tout court. Mais pour le TikTok ça va le faire du coup. J'ai un saut archi dur à mettre. Oh, wesh, je fais 2 mètres avec. Est-ce que je peux marcher avec? Ouais, ça va, ok. Donc je crois que je vais mettre un manteau. Je vais faire ça. Je sais pas si ça le fait. Je sais pas. Bon, normalement, c'est bon. Ah ouais? Je vous ai pas montré mon make-up. J'aime trop, une bonne vibe. En fait, quand j'ai fini de me préparer, je me suis rendu compte que j'avais la même vibe que Beyoncé dans Beauty Licious, genre les cheveux et tout, le rose, t'as capté, Ouais, je kiffe. Je crois que ça fait 3 jours que j'ai le même haut, mais bon, je m'en fous. Là, sérieux, je m'en fous. J'ai toujours pas ma voiture. Eh, j'en ai marre. Vous voyez, en fait, en temps normal, je pense que ça m'aurait même pas dérangé de rester à la maison autant de jours parce que moi je suis très casanière et tout. Je sors vraiment quand j'en peux plus, tu vois. Et là, j'étais pas encore arrivée au stade où j'en pouvais plus. Mais là, le fait de pas avoir la voiture, ça me gonfle. J'ai l'impression d'être bloquée. J'ai l'impression de rien pouvoir faire. Bah, je peux rien faire. Je peux faire quoi là? Je peux pas me déplacer en transport pour rien en fait. Là, j'aurais pris la voiture, je serais allée, je sais pas, dans un centre commercial. En plus, j'ai envie d'acheter des trucs pour la maison, des bougies, des trucs comme ça, là. Je peux même pas, wesh. J'ai la haine. Même aller voir ma petite tout à l'heure, j'ai la flemme parce que c'est loin en transport. Ah, quelle vie. Quelle vie. Je vais envoyer un message à mon mécanicien pour qu'il se dépêche. Bonjour. Et comment ça va? Est-ce que...
t'aurais une petite voiture à me prêter en attendant? Est-ce que t'aurais une petite voiture à me prêter en attendant la mienne? Parce que j'amène ma fille en voiture à l'école. Si j'aime pas, c'est compliqué. Comme ça, il va se bouger le cul. Voilà. J'arrête de parler comme ça. Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Bref. J'envoie un message à mon agent aussi. Oh oui, je suis gentille tata, oui oui. Ok, bah en fait j'ai envie de faire des spaces. C'est normal. Hier j'ai dormi à, je crois, 5h30. Je sais même pas pourquoi. Hier j'étais tellement KO qu'après avoir filmé, fait mes TikTok, mes trucs, j'ai dormi genre 1h30. J'ai fait une espèce de sieste et donc je pense que ça a niqué mon sommeil. Donc hier du coup j'ai dormi à 5h comme ça. Donc hein. Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai envie de sortir. Allô? Wesh Mago. Là, premier repas de la journée, c'est le reste de mes pâtes d'hier. Elles étaient trop bonnes. Elles étaient trop trop bonnes. J'aurais dû filmer. En fait c'était tellement rapide que j'ai pas pensé, mais au final, elle est meilleure place, elle est plus rapide, je vous dis la vérité. Je vous montre. En fait c'est une bolognaise normale avec de la sauce tomate et de la crème fraîche. Franchement, je crois que c'est les meilleures pâtes. Tu sais, on a trop l'habitude de manger soit de la bolognaise, soit des pâtes avec de la crème fraîche tout court, mais on pense jamais à mélanger les deux. Et je vous jure, mais c'est incroyable. Je vous jure que c'est incroyable. Donc voilà, je crois que je me suis fait 500 grammes de pâtes et entre hier et aujourd'hui j'ai tout mangé. Donc c'est pas grave. Putain, ça date la salle hein. Wesh, ça date la salle. Ça doit faire facile 3 semaines qu'on n'y a pas été. Là je peux pas. J'avoue, je me trouve des excuses, mais là je peux pas en fait. J'ai pas de voiture, je fais comment pour aller à la salle? Comment qu'on y aille aujourd'hui, mais vas-y, je nous connais, on va pas y aller. Bon, du coup, Katja, elle vient. On va aller faire des photos. En plus, il m'en fallait absolument une parce que j'ai deux vidéos. J'ai deux vidéos make-up, mais j'ai pas envie de les poster pour qu'elles. Mais j'ai pas envie de les poster l'une après l'autre parce qu'après, elles sont côte à côte dans mon feed et ça fait très moche. Tu vois, les réflexions des influenceuses, c'est ça. J'ai pas envie de poster deux vidéos côte à côte. Du coup, celle d'hier, faut que j'attende d'avoir une photo pour la mettre. T'as capté? Donc j'espère qu'aujourd'hui j'aurai une photo. J'espère fort parce que des fois c'est pas le cas. Donc c'est compliqué quand même hein. Parce que des fois tu vas te préparer de ouf, tu vas avoir un outfit en tête, une idée de photo, tout ça, tout va bien aller et au final la photo elle va pas rendre, tu vois. Et des fois elle rend et tu t'y attends même pas, genre. Par exemple, la photo qu'on a faite la dernière fois, elle rend de ouf. Elle rend de ouf, alors que j'étais même pas dans le mood ce jour-là. Donc en fait, c'est vraiment du qui tout double, c'est tu sais jamais. Donc voilà, faut juste croiser les doigts et espérer que ça soit joli, quoi, tu vois. On se regarde avec tout, la chute, c'est mort en gros, tu vois. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est mort et tout, on va ailleurs et tout. Mais du coup, après, pour aller dans un truc un peu bien, tu vois, c'est un peu à côté, tout, ouais. Moi, c'était son genou. Red side, allez, now descend la plate.